going to start. Hello everybody, my name is Mark Verdai. I'm one of the organizers for this event. I would like to present the rest of the organizers. So I would like to present Catherine Lovett-Smith, Amika Velvet, and Marsha Zhang to organize this event. On behalf of the School of Community and Public Affairs, I would like to welcome you to this roundtable on oil and electricity, Quebec at a crossroads. First, we'd just like to thank our professor, Jason Prince, for helping us coordinate this event. We'd like to thank Charles Bourassa and the army of volunteers that help us translate and coordinate this event today. So thank you very much, everybody. Finally, this event would have been possible without the funding and the hard work of the executives of the PSSA. So everybody say big welcome, big welcome. The SCPA is a bilingual school, so it is our pleasure to be able to host a roundtable in French. Merci à tous pour être ici. Je vais présenter premièrement notre modérateur, Pierre-Olivier Pinault, qui est le chef de gestion du secteur d'énergie au HEC, va être notre modérateur. Amé Kadir, député de Merci à Québec solidaire. Daniel Proton, député de Sainte-Marie de Saint-Jacques, Parti québécois. David Hurtel, député de Viau, Parti libéral du Québec. Alex Tyrell, chef du Parti vert du Québec. Malheureusement, la CAQ a été invitée, mais n'a pas pu venir à cause des contacts. Donc, merci à tous ceux d'être venus et bon débat. Oui, Daniel Judy. Daniel Breton. Merci beaucoup. Bon débat tout le monde, merci d'être venu. Bonjour tout le monde, donc, je suis Pierre-Olivier Pinault, je vais être le modérateur aujourd'hui pour ce débat. J'adore les questions énergétiques et environnementales, donc j'ai de la difficulté à refuser ce genre d'événement, surtout quand on a des panélistes qui ont des opinions et des avis aussi intéressants sur la question. On va commencer par un tour de questions. Là, chaque panéliste va avoir 5 minutes pour faire établir la table et donner un peu sa perspective sur la question. On va essayer de garder aussi, étant donné le setting ici, on va essayer d'amener de l'interaction et d'amener les choses de façon assez conviviale. Je pense qu'on va essayer de garder de manière conviviale d'interagir, mais aussi de garder une période de temps pour chaque personne, pour que chaque personne puisse s'exprimer. Donc, on commence de manière générale avec 5 minutes par personne, et après on a 3 grands thèmes qui vont être la première question qu'on va aborder, c'est dans quelles circonstances pourrions-nous remplacer le pétrole par l'électricité. Le deuxième thème, c'est la position de chacun sur les projets de l'éolique et les recherches pétrolières sur l'île d'Anticosti d'un point de vue économique. Et la troisième question, c'est le plan sur l'augmentation du transport en commun et sur le transport électrique, les voitures électriques au Québec. Donc 3 grands thèmes, mais on commence d'une manière générale. Et on peut commencer par simplement, en commençant le plus proche de moi, pour le début, en allant jusqu'à M. Breton, et après l'ordre va changer pour les thèmes. Alors M. Kadir, si vous voulez prendre la parole, vous avez 5 minutes. Sur l'ensemble des thématiques ou sur la... Donc au début, si vous voulez commencer d'une manière générale sur... les organisateurs avaient prévu un premier 5 minutes pour aborder un petit peu de votre angle, votre perspective sur ces questions-là, et après on va rentrer dans le détail de chacune des 3 questions. Très bien. Alors, vous connaissez sans doute les positions globales du Québec solidaire sur l'importance de mobiliser toutes les ressources et les leviers à la disposition de notre société, que ce soit les investissements publics ou que ce soit la nécessité par des bonus et des malus ou par les leviers fiscaux d'encourager une série de transformations dans nos infrastructures publiques, on parle de transport en commun, dans nos habitudes de transport et l'organisation des villes, donc on parle d'urbanisme, on parle de l'utilisation de la voiture individuelle, mais aussi dans les possibilités, c'est-à-dire les opportunités de développement économique qui font en sorte que notre société, une société somme toute relativement bien positionnée pour s'engager vers un virage vers l'utilisation de plus en plus abondante des sources d'énergie renouvelables les plus propres, de faire en sorte donc que notre société prenne ce virage de manière déterminée, de manière engagée. Pourquoi je dis que notre société est une de celles qui est les mieux positionnées? Parce que nous sommes, par tête d'habitant, un des plus grands producteurs d'une
d'une source d'énergie très propre, c'est-à-dire l'hydroélectricité, que nous avons toutes les ressources technologiques et les opportunités économiques. Je parle par exemple du fait que le Québec n'est pas un producteur d'automobiles, mais un producteur de wagons, hein, Bombardier. On a une expertise particulière qui fait en sorte que plusieurs villes européennes dans le monde sont équipées par des équipements de transport en commun produits au Québec. Donc nous sommes bien positionnés à la fois comme source d'énergie et comme opportunité de développement de l'emploi manufacturier dans des secteurs qui sont grandement, donc qui peuvent être grandement alimentés par un virage vers les transports collectifs, les transports électriques, les transports de qualité du 21e siècle qui puissent permettre à nos concitoyens, petit à petit, sur un horizon de 15 à 20 ans, de diminuer radicalement notre consommation en pétrole, puisque ça, c'est un déficit net. L'importation du pétrole, c'est 18 milliards pour le Québec, plus un autre à peu près 20 milliards pour l'achat d'automobiles et des pièces qui sont rattachées, avec un virage économique en créant des opportunités de développement et de prospérité dans des domaines d'avenir, permettrait au Québec de devenir indépendant de plus en plus sur un horizon, je le répète, de 10 à 15 ans, parce qu'on ne fera pas ça en criant ciseaux, et il faut commencer aujourd'hui même à prendre ce virage-là si on veut être à l'avant-plan et surtout pour profiter des opportunités qui sont actuellement les nôtres. Tout ça, j'en ai parlé bien sûr parce que nous sommes un parti excessivement attaché à l'environnement et au fait que nous avons une responsabilité devant nous-mêmes, devant les générations. C'est une question aussi d'équité générationnelle et aussi de justice climatique envers tous les peuples de la planète, d'agir de manière responsable dès aujourd'hui pour ne pas permettre que notre économie s'enfonce davantage vers une dépendance à l'économie du pétrole, puisque tout investissement public créer des opportunités dans des secteurs. Et aujourd'hui, quand le gouvernement du Parti québécois, comme les libéraux d'ailleurs, veulent enfoncer, les trois partis principaux à l'Assemblée nationale sont d'accord pour aller dans ce sens-là, et nous sommes contre, parce que les leviers de l'État, quand par nos leviers, soit l'investissement direct, ou soit par les crédits d'impôt et les leviers fiscaux qui avantagent 12 fois plus actuellement au Canada et au Québec le pétrole que les énergies renouvelables, je reviendrai sur ce chiffre-là pour vous l'expliquer, font en sorte que, en fait, quand on alimente et on avantage un secteur économique, c'est sûr que ça veut dire qu'on décourage l'émergence de d'autres secteurs, et donc ça veut dire qu'avec vos taxes, l'argent de vos impôts, actuellement, le gouvernement actuel, avec l'appui des deux principaux partis au pouvoir, à l'Assemblée nationale, veulent utiliser nos leviers économiques pour encore nous garder tributaires d'une économie fossile, qui est à l'image du 19e et du 20e siècle et non pas répondant aux besoins du Québec du 21e siècle. Merci beaucoup. Monsieur Thirel, si vous voulez, vous avez 5 minutes. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici, d'avoir la chance de prendre parole dans ce débat. Au Parti du Québec, nous sommes en faveur d'une réduction de notre consommation énergétique à travers de toutes les sources. Nous sommes rendus à un point au Québec où c'est que le gouvernement est prêt à prendre recours aux fracturations hydrauliques pour sortir de l'énergie. Nous sommes complètement opposés à cette technologie qui risque de contaminer l'eau souterraine de beaucoup de secteurs du province. Nous sommes aussi de l'avis qu'il faut mettre les Québécois à l'emploi en réduisant la consommation énergétique de nos bâtisses. Nous sommes dans un climat aussi qui fait très froid et il est très possible de faire un programme d'ampleur pour isoler les bâtisses et diminuer leur consommation énergétique. Nous sommes également en faveur d'une expansion drastique et de la gratuité des transports en commun pour tous les Québécois. Nous croyons que la façon d'agir, c'est de réduire le nombre de voitures privées sur la route, et la façon de faire ça, c'est avec les transports en commun. Merci. S'il veut, il a encore quelques minutes, mais il aura l'occasion de revenir tout le temps qu'il n'est pas utilisé immédiatement pour hein, être ajouté à vos questions. On gardera un peu de temps pour les questions parce que je suis sûr que des membres de l'audience ont des questions. D'accord. Monsieur Hartel.
Bonsoir, good evening. Je voudrais d'abord remercier l'école, les professeurs ainsi que l'association pour l'invitation de ce soir. C'est très intéressant parce que c'est drôle, on s'est placé par hasard. Là. C'est intéressant que les deux premières interventions, puis ce que je pensais en vous écoutant, c'est vraiment en commençant par vous remercier. Parce que depuis 50 ans, le mouvement vert, justement, nous pousse à aller plus loin et à viser un idéal. Et je crois que ça, c'est bon. Et ça, il faut continuer à aller vers cet idéal-là. Ceci dit, l'affaire, c'est que la réalité d'aujourd'hui, la réalité actuelle, présente. Et c'est intéressant qu'on lise François Cardinal dans la presse, plutôt que ce matin. Même M. Breton, que j'entendais à Paul Arcand la semaine dernière, le rapport qu'a commandé le ministère des Ressources naturelles la semaine dernière. On est pris avec le pétrole, qu'on le veuille ou non, pour 30, 40, 50 autres années là, satisfaire. Là. Mais bon, vous, M. Breton, vous parliez de 30 ans, le rapport parlait jusqu'en 2050. Il y a une réalité. On peut ne pas être d'accord avec ça, on peut trouver ça dommage, on peut trouver ça terrible. Mais le pétrole est là pour rester. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr qu'il faut aller vers des énergies plus propres. Puis le Québec, depuis les années 60, met de l'avant l'hydroélectricité comme fer de lance. Comme par hasard, ce sont des gouvernements du Parti libéral du Québec qui ont fait ça. Dès les années 60, la Baie James dans les années 70, la Romaine, présentement. Ce sont des projets, justement, qui, un, favorisent l'indépendance énergétique du Québec, mais également vont de l'avant au niveau de produire des énergies plus propres. Et ceci dit, encore une fois, je crois qu'il faut parler plus de cohérence. Il faut favoriser plus l'électricité, mais en même temps, il faut coexister avec le fait qu'il y a du pétrole. Puis, il nous faut une véritable loi sur les hydrocarbures pour bien encadrer cette exploitation-là, parce que présentement, on n'en a pas une loi sur les hydrocarbures. Il faut que cette loi-là permette d'encadrer, que ce soit l'oléoduc Enbridge, que ce soit l'oléoduc Trans-Canada, que ce soit l'exploitation du pétrole de schiste que le gouvernement actuel permet, l'exploration permise là, pour Anticosti. Il va falloir qu'on encadre ça. Et il faut qu'on soit capable de dire, bon, qu'on fasse des choix, qu'on utilise les hydrocarbures du Dakota, ou d'Arabie Saoudite, ou des sables bitumineux, ou d'ici, il va falloir qu'on en utilise. Est-ce qu'on veut les réduire? Il faut absolument les réduire. Oui, il n'y a pas de débat, je crois, là-dessus. Il n'y a personne qui va dire « oui, 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 plus de pétrole, s'il vous plaît ». C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire « bon, on doit exploiter encore du pétrole, parce que les autres alternatives ne sont pas encore toutes là, toutes mises en place pour justement remplacer à 100% de pétrole. » Alors, il faut être capable de bien encadrer ça pour la sécurité des gens et pour la protection de notre environnement. Mais autrement, au niveau de l'électricité, il faut qu'il y ait une certaine cohérence également. Si on parle de stratégie de mobilité durable, puis on parle d'électrification des transports, comment ça se fait que dans le document de stratégie de mobilité durable qu'a émis le gouvernement, là, le deux pages qui a été émis par le gouvernement sur la mobilité durable, l'expression électrification des transports n'apparaît pas. Puis en même temps, le seul réseau de transport collectif électrifié au Québec, le métro de Montréal, ne bénéficie pas du tarif L, du tarif réduit d'Hydro-Québec. Il faut de la cohérence. Si on parle de vraiment faire la promotion de la mobilité durable, puis l'électrification des transports, ce avec lequel nous sommes d'accord au Parti libéral du Québec, il va falloir être cohérent. Si on investit 512 millions de dollars dans l'électrification des transports, il faudrait savoir comment on va payer pour. Parce que là, présentement, ça ne se retrouve pas dans le plan québécois des infrastructures, ça ne se trouve pas dans le budget. Alors, comment on va payer pour ça? Et il faut faire bien attention du fait que, et je termine là-dessus, c'est qu'à la fin de la journée, ça vient tout de notre poche. C'est l'usager qui va payer. Alors là, il faut trouver des façons réalistes de voir comment on va générer les revenus nécessaires pour pouvoir se payer une mobilité durable. Merci.
Merci. Monsieur Breton, la parole est à vous. Merci. Écoutez, moi je veux vous remercier qu'on puisse commencer ce débat-là là-dessus parce que c'est un sujet qui est excessivement important sur lequel je me penche depuis de nombreuses années. Et puis, moi j'aime ça, nous mettre en face de la réalité, de la dure réalité. À tous les jours au Québec, on consomme 300 000 barils de pétrole. Si le nombre de voitures du Québec depuis 1990 a augmenté de 20%, le nombre de véhicules utilisés à sport et de camionnettes, alors que pendant les 15-20 dernières années, j'ai dit aux gens qu'il fallait qu'on consomme moins, j'ai invité les gens à s'acheter des véhicules qui consomment moins, à prendre plus les transports collectifs, mais les pick-up et les camionnettes ont augmenté sur les routes du Québec de 156%. Ils sont passés de 600 000 à 1 600 000. Et le nouveau gisement de pétrole de la planète, que ce soit Anticosti, que ce soit l'Ouest canadien, que ce soit ailleurs dans le monde, sont de plus en plus polluants, ont de plus en plus d'impact sur les écosystèmes, sur le réchauffement climatique, et de plus, sont de moins en moins énergétiquement efficaces. Ça veut dire que ça nous prend de plus en plus d'énergie pour tirer un baril de pétrole. Les gisements de pétrole conventionnels s'épuisent rapidement, à tel point qu'en 2035, là, on va se retrouver presque uniquement avec des gisements de pétrole non conventionnels, à part certains endroits. Et les pays les plus avancés en matière d'indépendance au pétrole, on parle de la Suède, on parle du Danemark, nous parlent de se sortir du pétrole. La Suède parlait de se sortir du pétrole. Il y avait une étude qui s'appelait Oil Commission 2020 en 2006 qui disait en 2020, on sort du pétrole. Ils ont repoussé ça en 2030 et récemment, ils ont encore repoussé ça. Ça montre la complexité de faire l'indépendance au pétrole. Le Danemark parle de 2050. Moi, je vous dis, je me suis promené à travers le monde avec un groupe d'experts. On est allé en Europe, en Asie, aux États-Unis. On est allé voir qu'est-ce qui se fait comme technologie les plus avancées pour se sortir du pétrole. Et il y a des domaines où on n'est pas encore là. Le pays le plus avancé en matière d'électrification des transports, c'est la Norvège, qui est un pays qui est dans l'exploitation pétrolière depuis 4 décennies. Et ce pays très avancé-là parle d'avoir électrifié ses véhicules à peu près de 3 à 4% de la flotte de véhicules d'ici 2020. Ensuite de ça, il y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est l'impact de la géopolitique sur le pétrole et l'impact du pétrole sur la géopolitique. Et ça, ça doit faire partie du débat. C'est fondamental. Parce que, je vais vous donner un exemple. Il a été question sous le gouvernement libéral qu'on fasse un port méthanier, Rabaska, à Lévis, pour importer du gaz naturel, soi-disant pour augmenter notre sécurité énergétique. Or, ce gaz naturel-là serait venu, selon l'entente qui était supposée d'y avoir, de Gazprom. Maintenant, pensons à ce qui se passe présentement entre l'Ukraine et la Russie, où le gouvernement du Canada dit « on va rappeler notre ambassadeur » et il est possible que la Russie soit expulsée du G8. Maintenant, pensez à ce que ça peut avoir comme impact si les Russes disent « nous, on va faire avec vous, le Canada, comme on a fait avec l'Ukraine et comme on a fait avec d'autres pays, on ferme la valve où on augmente les prix. » C'est un impact fondamental. La géopolitique de l'énergie est une chose qui va faire partie du débat national sur l'avenir de l'énergie. Finalement, où on va prendre notre pétrole d'ici les prochains 30 ans? C'est la question à laquelle on doit répondre. Parce que, Amir, tu auras beau dire qu'on peut sortir dans 10-15 ans, à date, nulle part sur la planète, même juste technologiquement, on est rendu là. Donc, la réalité, c'est que ce débat-là, là, c'est un débat, on doit tous être confrontés à ce débat-là. C'est pas facile à entendre ce que je vous dis là, parce que pendant qu'on parle de pétrole, nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 en transport ont augmenté au Québec de 28%. Donc, les pro-pétrole doivent manger des croûtes, les anti-pétrole doivent manger des croûtes, parce que c'est un débat national qu'on doit tous faire ensemble et on doit élever le débat, parce que vraiment, il en va de l'avenir économique et écologique du Québec et de la planète. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur ces questions-là. Moi, si vous me permettez, j'aimerais vous entendre, parce qu'il y a quand même certains... Bon, je pense que c'est l'idéal est partagé partout, qu'il faut sortir du pétrole. Ouais. Monsieur Breton vient de nous convaincre que l'électrification des transports n'est certainement pas la voie pour les 5-6 prochaines années. Donc, à court terme, ce n'est pas la chose à faire. Et Monsieur Breton a aussi amené un point très intéressant, qui est que la flotte de véhicules augmente.
Et surtout que les gens ont des préférences de plus en plus marquées pour des pick-up et des canettes, des gros véhicules. Ouais. Donc, pour la première question que les étudiants du programme ont proposé, c'est dans quelles circonstances pouvons-nous remplacer le pétrole par l'électricité ? J'aimerais aller un peu plus loin et savoir, mais comment concrètement, d'ici 2020, qui est une échéance pour laquelle tous les partis politiques ont des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, comment est-ce que d'ici 2020, on réduit notre consommation de pétrole et ça, c'est une circonstance qui pourrait être le cas, c'est qu'on la remplace par de l'électricité, cette consommation de pétrole. Mais comment est-ce qu'on le fait plus concrètement à court terme, au-delà de l'investissement technologique qui, à court terme, n'aura pas d'impact? Alors, si un de vous quatre veut prendre la parole, il n'y a pas d'ordre préétabli, peut-être y aller, mais je vais vous limiter si jamais vous étendez trop. Tu veux y aller? Donc, moi, je vais vous parler d'un projet en particulier qui se fait dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. Là-bas, la manufacturier d'auto Toyota cherche à approvisionner des terres rares. Les terres rares sont utilisées pour faire des batteries de voitures électriques. C'est spécifiquement Toyota qui s'en va les chercher. Ce projet va être le premier projet de terres rares au Québec et au Canada. Et le gouvernement actuel, dont M. Breton fait partie, refuse de déclencher un BAP ou de se commettre à déclencher un BAP sur ce premier projet, même dans le fait que la réforme sur la loi sur les mines prévoit un BAP pour tous les projets de terres rares. Donc, au moment qu'on parle d'électrifier les transports et le gouvernement du Parti québécois s'apprête à mettre des prises électriques sur tous les bâtisses du gouvernement et aller de l'avant avec une stratégie d'électrifier les voitures, il tourne complètement un œil aveugle au problème de terres rares. Des terres rares, c'est un processus d'extraction qui est très difficile. Ça nécessite beaucoup de produits chimiques. Il y a certains éléments qui sont radioactifs, qui créent des déchets qui sont gardés dans des bassins de décantation, un peu comme les sables bitumineux. Le projet dont je parle, la compagnie s'appelle Matanec, et si tu regardes à l'intérieur des plans, il prévoit clairement avoir un bassin de décantation à 400 mètres d'un cours d'eau naturel. Ça sera protégé par un simple géotextile, et ce projet risque de contaminer l'eau potable pour beaucoup, beaucoup de Québécois tout le long de la rivière Ottawa. Donc, j'aimerais prendre ce moment pour demander à M. Breton si son gouvernement va aller de l'avant avec un BAP. J'ai déjà rencontré l'adjoint parlementaire du ministère de l'Environnement, M. Scott McKay, pour déposer une demande à cet égard-là, ça fait plus qu'un mois. Nous avons reçu zéro réponse et au nom des citoyens d'Abitibi-Témiscamingue, on aimerait ça avoir une réponse ce soir, si c'est possible. Je pense ce soir. Mais avant les élections, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont très préoccupés par cette question-là, qui ont peur que votre gouvernement va aller de l'avant avec ce projet sans avoir un bail. OK. Pour donner à Daniel le temps de réfléchir quand même. C'est sûr que je suis vraiment étonné d'entendre mon ami et collègue Daniel Breton aujourd'hui tenir un discours qui est si fondamentalement opposé au discours qu'il nous tenait avant de devenir député. Et surtout avant d'être, je suis obligé de dire, réduit au silence par le fait qu'il a été écarté de son poste de ministre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas faire le débat sur cet aspect-là, mais il est certain qu'il y a des, vous connaissez un peu la mécanique de la réalité des formations politiques dans les parlements, il y a une discipline de parti, et il est certain qu'au Parti québécois au gouvernement, ce n'est pas l'opinion de Daniel Breton, l'écologiste, ou de Martine Ouellet, l'écologiste, ou des membres du Parti québécois qui sont excessivement, je suis sûr, soucieux, comme nous, comme la plupart d'entre nous, des questions environnementales qui priment, mais il est certain que depuis la venue au pouvoir du Parti québécois, dès l'automne 2012, il y a une espèce de fédéralisme pétrolier qui est difficilement distinguable. Un fédéralisme pétrolier de la part de Mme Marois qui fait en sorte que souvent on a énormément de difficultés d'avoir à distinguer le discours sur cet enjeu-là entre le Parti québécois et le Parti libéral, qui se font les promoteurs du développement des secteurs d'énergie fossile, mais même de difficultés de le distinguer, je dirais, de l'activisme pétrolier du gouvernement Harper. Ceci étant dit, je vois dans les... Je crois qu'on a tous l'intention de tout le monde de réduire notre dépendance au pétrole. Monsieur...
David Hertel. Monsieur Hertel, Parti libéral du Québec, député de Ville. Parce qu'on est de nouveaux collègues depuis tellement plus que j'ai. Oui, vous, ça fait longtemps que vous êtes député. C'est là, c'est là. Ça fait des années, des années. Ça fait déjà 50 ans. Voilà. Alors, monsieur Hertel, je suis sûr qu'il est persuadé de la nécessité de réduire notre dépendance au pétrole, ainsi que monsieur Breton. Et on parle de la nécessité, par exemple, de développer les transports en commun. Puis on dit qu'il faut, on n'a pas le moyen de se départir de nos autos et de nos besoins en pétrole, d'accord, mais à ce moment-là, on s'attendrait à des actions énergiques, à des investissements massifs. Mais la réalité, c'est que pendant le temps que le gouvernement même actuel passe son temps en commission parlementaire à autoriser la construction, l'inversion du pipeline pour nous transporter du pétrole sale, à autoriser le transport pétrolier par train, à investir à Anticosti pour une exploration qui, à sa phase d'exploration, est excessivement dangereuse. Pendant ce temps-là, les investissements, comme ça a été mentionné, il y a une incohérence incroyable entre le discours et les actions. Il n'y a aucun investissement qui vaille et qui fasse en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, la dynamique sur le plan des transports. Et ce n'est pas juste l'électrification, c'est avant tout, pour se départir du pétrole, c'est des transports en commun pour diminuer notre dépendance. Quand moi je parle de l'horizon de 15 à 20 ans, c'est que pour qu'on puisse, dans 15 à 20 ans, avoir une infrastructure publique qui puisse en faire qu'on puisse enfin demander et encourager la population par des mesures d'encouragement et par des mesures coercitives, punitives, comme une augmentation des taxes sur l'essence, sur les voitures, etc., pour qu'on puisse le faire dans 10 et 15 ans, il faut dès à présent investir des milliards de dollars dans le transport en commun, mettre toutes les ressources de l'État à prendre ce virage-là. Or, il n'y a rien de ça qui est fait. Alors, c'est bien beau de parler, oui, oui, on est d'accord, mais en attendant, on a besoin de pétrole, c'est comme... Mais ça, c'est une incohérence, et surtout, je m'excuse, c'est un mirage qu'on fait miroiter, parce que pendant le temps... On dit tout ça, il y a 350 millions de dollars juste en 2012, de l'argent des contribuables québécois qui faisait partie des 3 milliards de dollars que le gouvernement canadien donnait en aide directe au pétrole d'Alberta. Ça, c'est sans parler de 5 milliards de dollars de l'argent de nos économies, de la caisse de dépôt investie dans les sables bitumineux. C'est ça la réalité. Et ça ne permettra pas diminuer notre dépendance au pétrole. Monsieur Hertel, Monsieur Breton. Merci, Monsieur Breton. J'ai Sur le VAP, sur les terres, ce que je peux dire, c'est que je vais aller parler de ça à ma gang, puis je vais te revenir là-dessus dès bientôt pour m'assurer qu'il y en ait un. OK? J'espère. En passant, je tiens à rappeler à ceux qui disent que je vais à l'encontre de mes convictions et j'ai été réduit au silence. Amir, tu sais pertinemment que c'est faux, parce que j'ai parlé avant, j'ai parlé pendant que je suis ministre et je continue à parler. Je suis ici pour parler de la même énergie. Et de dire que, dans le fond, on va à l'encontre de nos convictions en étant Parti québécois, je voudrais juste rappeler que c'est notre gouvernement en 18 mois qui a fermé la centrale nucléaire de Gentilly 2. C'est notre gouvernement qui a arrêté l'exploitation de l'amiante. C'est moi, comme ministre, qui a convaincu le Conseil des ministres de changer la direction du BAP pour faire en sorte de redonner la crédibilité au BAP. On a fait un moratoire sur l'uranium, mais il va y avoir un BAP sur l'uranium. On a fait en sorte de doubler le nombre de kilomètres de voies réservées sur les routes de Montréal. On a lancé le plan d'électrification des transports, qui est le plan le plus ambitieux d'Amérique. Et je ne parlerai pas de la bataille de Rabaska, que tu sais pertinemment que j'ai menée et qu'on a gagnée. Donc, de dire que je vais à l'encontre de mes convictions, je m'excuse, mais tu présumes beaucoup du travail que j'ai fait. Je crois qu'on a dit ça. Quand le ministre Gaudreau a dit qu'on lançait la stratégie de mobilité durable, mais en fait, il a dit qu'on transférait des routes vers le transport collectif, 968 millions de dollars, donc un milliard de plus pour le transport collectif. En plus de ça, Martine Ouellet, comme ministre des Ressources naturelles, a lancé un plan conjoint avec le privé qui donne à peu près 1,3 milliard de dollars pour des plans d'efficacité énergétique, entre autres, pour faire en sorte que beaucoup d'édifices, d'industries, fonctionnent encore dans les énergies polluantes, dans le mazout, etc., puissent s'en aller vers des plans d'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce que nous sommes le deuxième plus grand consommateur d'électricité sur la planète per capita et parmi les cinq plus grands consommateurs d'énergie sur la planète per capita.
nous gaspillons l'énergie à un rythme épouvantable. Que ce soit en transport, que ce soit en industrie, quoi que l'industrie fait mieux que nous autres. Et, en plus de ça, le 516 millions d'électrification des transports, c'est un plan qui a été salué par les écologistes, par les gens d'affaires, par les sociétés de transport. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui va asseoir une industrie. On veut faire de l'électrification des transports le même genre d'industrie qu'on a avec l'aéronautique au Québec ou qu'on a avec le multimédia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient le Québec n'a pas le marché pour faire en sorte d'alimenter une industrie aéronautique parce qu'on est juste 8 millions de personnes. Puis entre vous et moi, je ne connais pas grand monde ici qui achète des avions. Mais on a réussi à se créer un créneau. Mais le créneau d'expertise, de développement économique, de développement industriel qu'on veut avoir pour le 21e siècle, c'est l'électrification des transports. Pourquoi? Parce que, croyez-le ou non, il y a plus de 1000 petites, moyennes et grandes industries qui travaillent à divers degrés d'électrification des transports. Tu sais, Pierre-Olivier, tu as absolument raison de dire que l'électrification des transports, ce n'est pas la panacée pour les 5 prochaines années. Une chose qui est sûre, c'est que ça fait partie de l'avenir 2020, 2030, 2040, 2050. En plus de ça, il faut aussi prendre en considération qu'il y a des domaines où l'électrification n'est pas nécessaire ou n'est pas souhaitable. Par exemple, il y a des domaines où il faut favoriser la géothermie. Il y a des domaines où il faut favoriser la biomasse ou la biométhanisation. Donc, c'est des domaines particuliers. Il n'y a pas, en anglais, on dit qu'il n'y a pas de silver bullet dans le domaine de l'énergie. C'est par créneau, par champ d'activité, par mode d'énergie, il y a différentes spécialisations et c'est là-dedans qu'on doit aller. Et c'est pour ça qu'on travaille, on va travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, à partir du rapport de M. Mousseau et M. Lanoux, et à partir des interventions de gens du public et des gens des partis politiques et des spécialistes comme Pierre-Olivier ou d'autres, on va pondre une stratégie énergétique digne du 21e siècle. Merci, M. Breton. M. Hertel, si on essaye de se rassembler sur comment amorcer, vous pouvez évidemment aborder les thèmes que vous voulez, mais moi, je serais intéressé à entendre des outils pratiques avant d'aller 2025. On est toujours emporté à aller vers 2025-2030, mais là, d'ici 2020, on a des ambitions très élevées. Comment est-ce qu'on fait pour réduire notre consommation de pétrole? Moi, je pensais aller juste à demain matin. C'est que, encore une fois, très intéressant. Vraiment, je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu. L'affaire, c'est que il y a encore, je reviens sur mon point d'une question cohérente, c'est que on regarde le débat, je trouve, encore une fois, en silo. C'est-à-dire qu'on parle juste de l'énergie, juste des transports, mais c'est moi qui vais le dire. Non. Tu l'as pas dit, toi. Miam, miam. Alors, il faut le regarder d'une façon de planification cohérente. L'affaire, c'est que, tu sais, quand on parle de Norvège, de Danemark, encore une fois, toujours des exemples intéressants, mais combien de fois la Norvège je rentre dans le Québec? Non, c'est la même concentration dans le Québec. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. J'apprécierais avoir le même privilège. Je vous le promets. Un peu de civisme, je sais que c'est une valeur chez vous. Bien sûr, monsieur. Merci. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on planifie les transports, il faut regarder au-delà. Et là, présentement, quand on regarde les transports collectifs notamment, on a organisme par-dessus organisme, par-dessus des luttes de pouvoir, les municipalités, des CRE, des CMM, 82 municipalités, le gouvernement du Québec, des fonctionnaires à Québec qui décident et prennent des décisions sur comment les transports collectifs devraient être gérés à Montréal. Il y a tout un urbanisme qui doit se penser de façon d'une région métropolitaine et non pas juste Montréal seulement. Et ces choses-là permettraient justement, je crois, de nous développer un système de transport collectif et de transport de matière aussi. Parce qu'il y a ça aussi, ça consomme énormément également. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est que on pense juste aux citoyens ordinaires. Là. Bon, moi, j'ai ma carte de puce, prenez les transports collectifs pour vous rendre ici. Très bien. Mais au-delà de ça, pour transporter des matières premières de votre Abitibi jusqu'ici, là, à part un transport qui fonctionne au pétrole, là, demain, là, il n'y en a pas. Alors, il faut faire attention. Il faut commencer à réfléchir d'une façon cohérente sur le fait que le Québec, c'est vaste.
d'un. Et de deux, comment on peut diminuer la bureaucratie, qui d'après moi est un gros problème, et aussi une planification intégrée au niveau urbanisme, qui ne parce que là, tout le monde tire la couverture de son bord là, présentement. Et c'est ça aussi qui doit faire partie de l'équation, parce que là, et ça c'est vrai dans plusieurs débats, je trouve, les points sont tous très valables, mais l'affaire c'est qu'il doit y avoir, une fois pour toutes, on doit s'asseoir d'une grande table, faire des états généraux là-dessus, et pas juste dire, ben pétrole méchant, électricité bonne, il faut commencer à dire, bon, quels sont tous les véritables obstacles, les freins là, dont vous parliez, M. Breton. Ces freins-là, il faut penser à une nouvelle façon. Parce que ça fait 50 ans là, qu'on est sur les mêmes modèles. On gère de la même façon. C'était intéressant dans les années 60, 70, 80. Mais là, il faut trouver une nouvelle façon de gérer l'ensemble, le collectif, pour être capable d'arriver à des solutions qui nous permettent justement d'avoir des transports plus performants, une gestion d'énergie plus performante. Mais au cours des 20 dernières années, monsieur, je pense que c'est important. Oui. Vous avez été au pouvoir au cours des 20 dernières années, chacun 10 ans à peu près par le Parti québécois et 9 ans par le Parti libéral. Mais qu'avez-vous fait de concret pour aller vers ça? Encore dernièrement, Turquie, le maire de la ville, l'opposition officielle de la ville, des groupes écologistes et citoyens demandaient d'investir moitié-moitié dans le béton, mais aussi dans les transports collectifs. Vous avez refusé, le gouvernement libéral et le gouvernement du Parti québécois qui a suivi a refusé également d'y aller avec le projet de faire ça comme ça, d'investir dans les transports en commun. Et vous venez dire aujourd'hui que personne n'a pensé à l'urbanisme et que vous êtes le premier à avoir découvert les vertus d'une planification intégrée urbaine pour répondre à ces besoins. En tant que modérateur, je vais vous remercier, je vais vous donner la parole à tous. La question de M. Kadir, qu'a fait le gouvernement libéral, c'est un sujet qui n'a pas été encore abordé, mais qui, à mon avis, est central. Le gouvernement libéral a mis en place un marché du carbone que le Parti québécois a continué de mettre en place. Et ça, c'est quelque chose de structurant qui, malheureusement, n'est pas assez dans le débat aujourd'hui. Et j'aimerais, si la discussion arrive là-dessus, qu'on entende chacun des panélistes là-dessus. Je vous laisse évidemment l'opportunité de réagir à ce que M. Kadir demande, mais en tant que modérateur, je vais aussi m'en tenir un petit peu au plan de match qui a été prévu. Et la deuxième question, mais on ne s'éloigne pas vraiment de ce thème-là, concerne les oléoducs et le développement pétrolier au Québec. Alors, peut-être qu'en réagissant à M. Kadir, vous pouvez revenir sur le deuxième thème de la soirée qui est comment agir face à ces demandes d'oléoducs de sociétés et comment agir sur Anticosti, un thème qui a déjà été abordé, mais aller plus en détail sur cette situation à Anticosti. Peut-être M. Hurtel, M. Breton, allez-y. Je vais commencer en réagissant à ce que Amir a prétendu, comme quoi on n'avait rien changé au projet de Turcot, qu'on n'avait pas fait en sorte qu'il y ait plus de transports collectifs, parce que c'est faux. Comme j'ai répété tout à l'heure, on a décidé d'investir 1 milliard de plus en transport collectif d'ici 2020. On prend 1 milliard de dollars sur les routes pour mettre en transport collectif pour le Québec. Mais sur le projet de Turcot en particulier, il n'y a aucun journaliste qui a souligné une chose très importante. C'est que le projet de Turcot tel qu'il est fait, il y a une grande partie du projet de Turcot qui se fait de façon... Une grande partie de la circulation du projet de Turcot qui se fait de façon pendulaire. C'est-à-dire que les gens partent de l'ouest de l'île, viennent dans le centre-ville le matin, et le soir, part du centre-ville, vont vers l'ouest de l'île. Or, dans ce qui a été annoncé par Sylvain Gaudreau, suite à des recommandations que moi j'ai faites avec d'autres urbanistes, avec des urbanistes, ce qu'on a déterminé, c'est qu'à partir de l'ouverture du nouveau Turcot, sur toutes les voies, à l'heure de pointe, le matin, c'est-à-dire de la banlieue vers le centre-ville, ce serait 2 personnes minimum par voiture sur toutes les voies. Et le soir, au retour, ce serait 2 personnes minimum par voiture sur toutes les voies. Considérant qu'il y a une moyenne de personnes de 1,2 par voiture à l'heure de pointe, de façon pendulaire, ça veut dire que si on passe de 1 à 2, on diminue de 40% la circulation sur la route à l'heure de pointe. Ça, personne n'en a parlé. Or, c'est une mesure qui est majeure. Donc, 40% de diminution de la circulation à l'heure de pointe. Amine? Pourquoi ça, vous avez dit que c'était 1,5 milliard dans les transports collectifs au lieu de 3 milliards juste dans le béton? Ça, c'était la ville. Est-ce que tu peux laisser finir de parler, s'il te plaît? Très bien. OK. Non. Là où je veux en venir, OK, c'est que oui, on investit dans plus de transports collectifs. Oui, on va faire en sorte qu'il y ait plus de transports collectifs sur le projet de Turcot.
Mais juste cette simple mesure-là, qui est une mesure qui a été mise en place ailleurs, va faire en sorte d'avoir un impact majeur. Quand on parle de 40 % de diminution de la circulation de façon pendulaire à l'heure de pointe, c'est 40 % de diminution de la consommation et 40 % de diminution des émissions de gaz à effet de serre. 40 % de la congestion, et donc on abîme moins la route. En plus de ça, si vous avez bien entendu, dans le cadre de l'électrification des transports, et là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais puisque M. Kadir m'invite tellement à vous informer sur ces choses-là, on va lancer un projet qui s'appelle le projet Nomade. C'est un projet de véhicule d'autopartage et de covoiturage qui s'appelle Nomade, c'est-à-dire un véhicule ferme Québec, électrique, pour l'autopartage et le covoiturage. Donc, ça aussi, c'est un projet de transport collectif et de transport collectif électrifié qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir partir de la banlieue en covoiturage et venir avec des véhicules électriques dans le centre-ville et diminuer la congestion. Pour revenir, m'excuse M. Pinault, pour revenir sur le dossier Enbridge et Anticosti, comprenons-nous bien, le pipeline d'Enbridge est un projet avec lequel j'ai un sérieux malaise. Le problème, c'est que c'est un projet de juridiction fédérale. C'est-à-dire qu'on aura beau chialer, on aura beau déchirer nos chemises, ça reste un projet de juridiction fédérale. Donc, vous doutez bien que moi, j'aimerais ça qu'on soit maître chez nous à tous les niveaux de pouvoir pour faire en sorte qu'on puisse décider de ça. Mais on a une politique énergétique qui nous passe par-dessus la tête parce que c'est interprovincial. Pour ce qui est du projet d'Anticosti, ce vers quoi on va, c'est 8 forages exploratoires pour voir quels vont être les impacts économiques, les impacts écologiques de l'exploitation potentielle du pétrole sur Anticosti. Et réalisons ceci. Le pétrole sur Anticosti, du pétrole de schiste, ça va avoir beaucoup plus d'impact économique, c'est-à-dire écologique, et c'est beaucoup moins efficace d'un point de vue énergétique que du pétrole conventionnel. Donc, pour moi, c'est l'occasion pour nous tous de faire le débat sur où on prend notre pétrole dans les prochains 30 ans. Parce que c'est ça, la vraie question. On le prend où? Parce que d'où qu'on va le prendre dans le monde, qui viennent de l'Ouest canadien, qui viennent d'Anticosti, va avoir de plus en plus d'impact. Et c'est pour ça que des programmes d'efficacité énergétique, des programmes pour faire en sorte que les gens se promènent moins en voiture individuelle, l'auto-solo qu'on appelle, et qu'ils achètent des véhicules de plus en plus efficaces et qu'il y ait de plus en plus de transport collectif, c'est tellement fondamental. Mais là, ça va être la première fois depuis 1973 qu'on va être obligé d'avoir un réel débat sur l'avenir de notre consommation énergétique, que ce soit du pétrole ou d'électricité. Merci, M. Morton. M. Thirel, M. Breton, votre parti est favorable au projet d'oléoduc Ligneur et aussi sur le projet d'Anticosti. Ils sont même prêts à financer. C'est le gouvernement qui va financer ces forages-là qui vont faire le coup à la facturation électronique. Et je ne comprends pas du tout pour quelqu'un qui était un membre fondateur du Parti vert du Québec. Comment ça se fait que vous pouvez appuyer les sables bitumineux et la fracturation hydraulique? Je trouve ça complètement incohérent. Là, je me fais attaquer, je réponds. Ouais. Ben, M. Thirel, je pense que c'est quelques mots. Allez-y. Ben, regarde, première chose, je ne suis pas favorable au projet de l'Ignite d'Enbridge, mais ce n'est pas de notre juridiction. Ça nous passe par-dessus la tête. Laissez-moi finir de parler. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. OK? Vous n'êtes pas favorable, mais votre gouvernement, il y a 4 ministres qui sont venus vous défendre en commission parlementaire. Amélie, s'il te plaît. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, étant un champ de juridiction fédérale, OK, c'est pas le gouvernement du Québec qui a son mot à dire. Une fois cela dit, la position du gouvernement par rapport au président d'Enbridge suite à la commission parlementaire, la décision du gouvernement n'est pas connue encore. Il y a des gens qui sont montrés plus favorables, d'autres moins favorables. Un. Deux, sur Anticosti, c'est justement pour poser la question sérieuse. Parce que si on ne prend pas sur Anticosti, si on ne prend pas de loi, si on le prend quelque part. Et la réalité, c'est que ce soit le Parti vert, que ce soit Québec solidaire, que ce soit le Parti libéral, quel que soit le parti, il n'y a personne présentement, aucun scientifique, aucun ingénieur, aucun économiste, aucun géologue, qui nous a donné la solution pour qu'on sorte du pétrole avant 25-30 ans. Il n'y en a pas. Et c'est ça, la réalité. C'est à ça qu'on doit se confronter, tous comme Québécois, et c'est pour ça qu'on doit faire ce débat-là. Donc, le débat sur l'exploration sur l'Anticosti, c'est le débat sur notre avenir énergétique. Et c'est pour ça qu'on va poser la question à tout le monde. Et si les gens, lorsqu'il y aura le BAP qui aura trouvé sa crédibilité, lorsqu'il y aura le débat au BAP, nous tous, on va le faire, ce débat-là. Et si on dit non à Anticosti, non à l'exploitation d'Anticosti, que le BAP se montre défavorable,
Moi, pour le moment, je n'ai jamais dit que j'étais favorable à l'exploitation sur Anticosti. Je suis favorable au débat sur l'avenir de l'énergie. Et ça va passer justement par les 8 forages pour faire en sorte qu'on va fracturer. Avec tout respect, M. Breton, je ne pense pas qu'on est obligé de fracturer l'île Anticosti pour avoir un débat sur l'avenir énergétique du Québec. Ça, on l'a pas eu. Moi, je pense que ça fait partie des contraintes qu'on a besoin de savoir. Si je peux me permettre, je vais demander à M. Hortel s'il veut prendre la parole, parce qu'on va revenir à vous, M. Kadir. Je veux bien. Alors, M. Kadir, est-ce que je peux prendre la parole? Alors, le débat va, à mon avis, loin, puisque... Mais... Moi, j'essaie de revenir à la question initiale de tout à l'heure. On parlait de transport collectif, d'électrification des transports, d'investissement. Puis j'entendais notamment M. Kadir parler à quel point il faut des investissements, puis notamment que le Parti libéral n'a rien fait durant 10 ans. En tout cas, bon, la ligne orange, l'extension de la ligne orange, il me semble, c'était durant le Parti libéral, ça. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose. La Romaine, on parle d'investissement majeur sur des énergies propres. La Romaine, ça s'est fait sous le Parti libéral, ça. Le développement de l'hydroélectricité, les investissements majeurs en développement hydroélectrique. Et la raison pour laquelle vous êtes tous en train de dire que c'est extraordinaire qu'on a de l'hydroélectricité, c'est le Parti libéral qui l'a fait, ça. Ce sont tous des gouvernements du Parti libéral qui ont fait ça. Durant même certaines époques où d'autres partis, notamment le Parti québécois, prônaient le nucléaire à la place. Et donc, il faut, mais c'est vrai, ça c'est arrivé. Jean Lesage, Gentilly 1, Robert Bourassa, Gentilly 2. Mais Jacques Parizeau a prôné le nucléaire à l'époque aussi. C'est pas lui qui a eu dessus, c'est René Lévesque qui a fait moratoire. Jean Lesage, création d'Hydro-Québec, Robert Bourassa, Jean Charest, La Romaine. C'est ça pareil. Alors, l'idée, c'est qu'il faut revenir aussi au niveau des voitures électriques. Là. Une chose qui est claire, c'est que présentement, la seule compagnie de voitures électriques là, qui fonctionne vraiment, c'est Tesla, qui réussit là, sur une base économique. La voiture la moins chère, après subvention, c'est 64 000 $ US. Même après, une famille ici au Québec, présentement, une famille de vœux, puis moi j'en ai dans mon comté, il m'envoie des courriels, c'est bien beau tout ça. Mais une voiture, la moins chère, là, c'est autour de 30 000 $-35 000. Après subvention, ça baisse à 27 000 $-25 000. Même là, c'est pas jouable pour une famille. C'est pas jouable par rapport à ce qu'il y a de disponible sur le marché. C'est moins cher. Et donc, l'affaire, c'est qu'il faut encore une fois réussir à trouver une formule réaliste maintenant. Puis quand on parle d'investir, c'est bien beau, mais avec quel argent? Le fait est, c'est qu'on est à plus de 2,5 milliards de déficit. Puis on dit investir, c'est bien beau. Mais il faut avoir une économie pour investir. Et ça, c'est un point qu'on sent, on oublie toujours. Puis quand on parle de vase clos, c'est comme on vit dans un monde, des fois, parfois surréaliste, où on dit investir. Ben oui, mais avec quel argent? Et le fait est, c'est que l'argent, là, il en manque, là, présentement. Puis là, oui, on peut s'amuser à blâmer, puis c'est la faute d'un tel, puis la faute d'un tel. Mais la fait est, c'est que pour investir, il faut une économie forte qui génère des revenus. Là, présentement, on a une économie en panne. Mais c'est quoi votre... M. Thirel, je m'excuse. On va revenir à M. Kadir et après, vous allez avoir une minute à la fin. Merci. Je ne voudrais pas abuser de la patience de M. Hertel, mais il faut que je vous mentionne que d'abord, il y a de cela 7 ans, Daniel Breton, comme le Parti vert, comme plusieurs groupes écologistes et citoyens, et comme Québec solidaire, nous disions que nous n'avons pas besoin de la Romaine, d'un grand chantier, un méga-barrage hydroélectrique, que nous avons amplement de quoi créer des négawatts, c'est-à-dire un plan d'efficacité énergétique, comme c'était mentionné par mon ami Tyrell, c'est-à-dire d'arrêter de chauffer dehors, de rénover nos maisons, de créer des milliers d'emplois partout au Québec, dans le domaine de la construction, des contrats à de petits entrepreneurs, pour économiser de l'énergie, donc de libérer de l'énergie qu'on a déjà en notre possession pour l'utiliser ailleurs, par exemple, dans l'électrification des transports. Or, le Parti libéral a choisi de donner des contrats à des firmes amies, les SNC-Lavalin du Monde, les compagnies de Tony Accurso, les compagnies de la famille Favard, contributeurs à la caisse électorale du Parti libéral, et dont
quand on dit les compagnies détenues par la famille Favon et Nielsen et les compagnies Tony Accurso, c'est 9 des 10 plus importants contrats en construction des barrages de la Romaine. Ça, c'est 8 milliards de dollars. Donc, c'est 8 milliards de dollars engloutis dans un projet que nous disions était inutile. Et aujourd'hui, le rapport sur l'avenir énergétique du Québec vient nous confirmer exactement ce qu'on disait. Les mêmes secteurs, les citoyens, les écologistes, les petits partis qui n'ont pas les mains liées par les lobbies du pétrole et les lobbies d'affaires disent aujourd'hui on n'a pas besoin d'investir et de perdre notre argent pour une illusion sur Anticosti. Anticosti, c'est peut-être 40 milliards de pétrole, mais c'est seulement 2%. C'est du pétrole de shale, c'est du pétrole de schiste. Non seulement c'est pas rentable, et Marc Durand, le seul ingénieur expert de la formation géologique d'Anticosti, le démontre admirablement dans sa présentation. Je vous invite à aller sur son site, Marc Durand, et vous allez vous en convaincre. Mais en plus, c'est d'effroyables dégâts environnementaux auxquels on oblige le Québec, parce qu'avant de pouvoir extraire le pétrole, si jamais c'est rentable de le faire, il faudra brûler le gaz et en sorte d'abord, parce que c'est du gaz aussi avec le pétrole. Et si on fait ça, ça veut dire que juste l'île d'Anticosti va produire autant que les 3 millions d'habitants de l'agglomération urbaine de Montréal en termes de production de gaz à effet de serre. Merci. Alors, il y a comme une raison à laquelle j'invite les partis au pouvoir et mon ami Daniel d'admettre les contradictions inhérentes. Merci. Il y a certaines données qu'il faudrait peut-être revoir, mais je vais donner la parole à M. Thirel qui n'a pas épuisé sa banque de minutes. Moi, ma question, c'est pour M. Hertel. Vous avez parlé souvent dans ce débat à propos de comment c'est tellement difficile de trouver un plan pour sortir le Québec du pétrole, puis qu'on est obligé d'aller sur le avant avec les gaz de schiste et du pétrole sale. C'est quoi le plan du Parti libéral pour sortir le Québec du pétrole? Je ne le vois pas. Quand est-ce que j'ai dit qu'il fallait aller dans le gaz de schiste? Le Parti libéral a toujours été, vous avez dit que j'ai dit ça, mais votre parti est fermement en faveur des gaz de schiste, c'est connu. Monsieur Charest voulait commencer l'exploitation des gaz de schiste en 2014. Ouais. Nous sommes rendus, s'il n'y avait pas un mouvement citoyen, vous n'avez jamais reculé sur cet enjeu-là. Donc vous dites qu'on a reculé. S'il y avait un mouvement citoyen, vous avez fait un BAP, puis là, le Parti québécois vient de relancer un BAP pour aller d'avant avec les gaz de schiste, puis votre parti est ouvertement en faveur des gaz de schiste. Ça, là, encore une fois, ça, c'est un peu de démagogie, là, ça. Mais c'est pas de démagogie, c'est ce que j'entends de l'Assemblée nationale. Laissons M. Bertin me répondre. Parce que, encore une fois, je peux vous terminer. Mais soyons sincères, là, il faut pas. Je m'excuse, mais on doit respecter notre auditoire. C'est des gens en sciences politiques qui suivent les débats à l'Assemblée nationale. Répondez sur les faits. Les faits que le Parti libéral est en faveur du pétrole et des gaz de schiste. Les faits sont là. Expliquez-nous comment vous conciliez ça avec la réduction de dépendance au pétrole. Être pour le pétrole, pour le gaz de schiste, moi, tout ce que je sais, là, c'est que depuis que je suis député, puis une des raisons pour lesquelles je suis allé en politique, là, moi, je suis devenu député le 9 décembre dernier. Alors, si vous me parlez de Jean Charest n'était pas le chef du Parti libéral. Les politiques du Parti libéral ont dû changer. Est-ce que vous êtes prêt à dire que le Parti libéral est contre les gaz de schiste? Laissons M. Hertel terminer et on va clore cette deuxième. C'est intéressant, avec une salle partisane, de pouvoir m'interrompre comme ça, mais je veux juste finir une phrase. Juste ça. Gaz de schiste, oui ou non? Bien, encadré, oui. Encadré, bon, on a eu la réponse. Si, je l'ai dit au tout début de mes romans, j'ai dit qu'il faut une loi sur les hydrocarbures qui encadre complètement cette exploitation-là. Il en faut une. Puis ça, là, c'est quelque chose, encore une fois, on ne peut pas s'en sortir du fait qu'il y a encore du pétrole, puis il y a encore de l'exploitation qui se fait d'hydrocarbures. Alors, le fait est que si c'est encadré et si c'est fait de façon sécuritaire, ça, c'est la position du Parti libéral du Québec. Laissez-moi finir ma phrase. C'est ça, la position du Parti libéral du Québec, présentement. Si Philippe Couillard le dit, et là le dit, si on peut démontrer que c'est fait de façon sécuritaire et que ça respecte l'environnement, oui, c'est ça. C'est ça la position du Parti libéral. Merci beaucoup. Je vais encore une fois devoir gérer le temps, et j'ai ce rôle-là de modérer.
et je m'en excuse parce que vous avez des envolées intéressantes, mais et vous avez encore une fois l'occasion de revenir là-dessus. La troisième question qui était prévue va nous permettre de rentrer un peu plus concrètement dans justement quels sont les plans de vos partis pour augmenter le transport en commun et les voitures électriques sur les routes. Donc, on voudrait avoir des aperçus concrets de qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 2020 ou même dans les années 2014-2015 pour réussir cette diminution qui fait l'unanimité. Alors, on va essayer de garder là-dessus la discussion. S'il y en a qui veulent répondre, je vais laisser une petite fenêtre ouverte parce que je ne peux pas vous empêcher de toute façon. Monsieur Cadien, est-ce que vous voulez répondre à ça? Depuis déjà l'élection de 2012, nous avons proposé un plan d'investissement massif dans les transports collectifs. L'intérêt de ça, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est qu'au Québec, après le secteur de l'agriculture familiale, l'agriculture de proximité, les transports collectifs, c'est le secteur électrique ou pas, c'est le secteur le plus créateur d'emplois par dollar investi, même avant le secteur de la construction. Donc, les trois premiers secteurs où le dollar investi par l'État ou l'investissement privé crée le plus d'emplois, agriculture, transport collectif, construction ensuite. Donc, ça peut être un formidable levier de développement de l'emploi et on s'engage, ça va être bientôt présenté sous forme d'un vaste plan qui s'appelle pour un Québec vert, donc il est un plan pour de sortie du pétrole pour l'horizon 2015-2030. L'idée, c'est qu'il faut commencer maintenant à investir dans les infrastructures qui vont avec à hauteur de 20 milliards de dollars sur 5 ans. Ça veut dire qu'une partie des investissements qui actuellement sont faits par Hydro-Québec, par exemple, dans l'ouverture de voies pour les minières, dans des installations et des constructions de barrages ruineux comme la Romaine, devront être stoppés pour réorienter ces investissements massifs dans le béton, des barrages ou des routes ou des infrastructures portuaires, etc. pour les minières, pour les réorienter vers les transports collectifs pour mieux connecter nos villes entre elles, pour à l'intérieur des villes, les 5 grandes agglomérations urbaines au Québec, investir massivement dans les transports collectifs locaux, ce qui veut dire aussi du transport entre guillemets collectif pour les marchandises quand on a un système ferroviaire efficace qui couvre adéquatement le territoire du Québec, c'est aussi un système de transport entre guillemets collectif pour nos marchandises, pour les désenclaver et pour arrêter de ruiner nos routes par le camionnage qui est devenu une véritable plaie qui défonce et qui accélère la dégradation de nos infrastructures dans lesquelles on investit. Merci beaucoup. Je peux y aller. Bon temps, allez-y. Moi, je veux parler de transport collectif, mais je veux rappeler une chose aux gens. Amir, si mon souvenir est bon, votre parti s'est prononcé en faveur du projet de la Romaine. Non, on était les seuls à s'y opposer, malheureusement. OK. Parce que ce n'était pas très populaire à l'époque. Non, on a lutté contre tout ça. J'ai même montré à des membres de l'Assemblée nationale, dont des gens qui font partie, le fil, chercher le courant pour dire, écoutez, c'est le temps d'arrêter. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ressortir les archives au moment où vous êtes rendu à cette île pour vous prononcer en faveur de ce projet-là. Et je me rappelle aussi que tu t'es prononcé en faveur du fait qu'on garde la raffinerie Shell verte. Pour défendre les travailleurs du minier. Ah oui, mais non, c'est pas la même chose, là, mon cher. C'est pas la même chose. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui travaillent présentement dans le pétrole. Sortir d'une situation de dépendance se fait de manière mesurée, certes, se fait de manière planifiée, quand quelque chose existe déjà. Ça, c'est différent de investir de l'argent frais et nouveau dans une filière qui est une filière du passé pour nous y enfoncer davantage. Donc, il y a une question de cohérence, il y a une question de logique là-dedans. Non, c'est bon, avant de planifier. Voilà. C'est justement ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on avait investi 20 fois plus d'argent dans les énergies et le transport vert qu'on investit dans le pétrole. C'est ça que ça veut dire, une mesure qui est planifiée et une transition. Et c'est donc, s'il te plaît, Amir. Merci. Donc, si on veut parler d'électrification des transports et de transport collectif, le plan d'électrification des transports sur lequel on travaille, je vais vous expliquer. On investit le plus massivement, la majeure partie de l'argent mis dans l'électrification des transports, c'est dans l'électrification des transports collectifs. On parle d'autobus urbains. Autobus urbains, les autobus de la STM. L'idée, c'est de faire en sorte que ces autobus-là passent d'autobus hybride à hybride rechargeable à 100% électrique. Mais pour ce faire, ça va prendre
une planification qui va faire en sorte qu'on va aller vers des autobus biberonnés. On a annoncé en décembre qu'on irait avec des autobus biberonnés avec Volvo, la STM, Novabus, le gouvernement du Québec, pour avoir des technologies avec des bras articulés pour faire en sorte que les autobus puissent se recharger à tous les 5, 7, 8, 10 km pendant 10 à 15 secondes. Et ça, c'est l'avenir des autobus urbains. Les autobus périurbains, c'est-à-dire les autobus de banlieue, vont pouvoir aller aussi dans ce type de technologie-là. Mais pour les autobus interurbains, on n'a pas encore de stratégie d'électrification des transports à 100%. Mais il y a une autre compagnie qui s'appelle Prévocar, que tout le monde connaît, qui est de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui travaille sur une hybridation de ces autobus-là. Et ça, ils ont développé au Québec une technologie qui va faire en sorte de diminuer la consommation de 10 à 30%. Ça, ça fait partie des projets sur lesquels on travaille. Ensuite de ça, on a annoncé qu'on va installer 10 000 bornes gouvernementales, d'entreprises et privées à travers le Québec pour qu'on ait des infrastructures de recharge pour que les gens puissent avoir une voiture électrique et savoir qu'ils peuvent aller du point A au point B sans manquer d'électricité. Mon cher David, je t'annonce qu'à partir d'à peu près 23 000 $, tu peux t'acheter une voiture électrique aujourd'hui. Et quand des gens me disent « c'est trop cher, là où j'ai un problème », c'est que beaucoup de familles ont deux voitures et il n'y a aucun véhicule utilitaire sport sur le marché qui se vend 23 000 $. C'est tout 25, 26, 27, 28 30, et c'est ça qui se vend de plus en plus. Donc, la réalité, c'est que, oui, il y en a qui n'ont pas les moyens, ils peuvent s'acheter un véhicule hybride à partir de moins de 20 000 $ ou un petit véhicule éco-énergétique à partir de 15 000 $ Mais de dire que les véhicules électriques sont trop chers, c'est maintenant faux. Et le prix des véhicules électriques va continuer à baisser, le prix des véhicules hybrides va continuer à baisser, mais ça demande des infrastructures. Ça, sur quoi on travaille. Ensuite de ça... Une minute, M. Bonjour. Parfait. On travaille aussi sur des traversiers électriques. Traversier Québec-Lévis, ça s'électrifie très vite. Et ça, ça fait partie des technologies qu'on met de l'avant. Il y a aussi moto électrique. On a un peuple de patenteux, d'inventeurs, de gosseux, qui font des choses à partir d'un garage. Et un de ceux-là a mis au point une moto électrique de grande qualité, comme une espèce de Tesla sur deux roues, qui a été développée à Longueuil et qui va pouvoir se vendre à travers le monde. On en a un autre, LTS Marine, qui a mis au point un bateau électrique pour le ski nautique, pour le wakeboard. Et là, ces technologies-là, on va les transférer dans d'autres bateaux de plaisance pour faire en sorte que toutes ces technologies-là, tout ce know-how-là, toute cette inventivité-là, peut se propager à travers les industries du Québec. Évidemment, il y a des nouveaux bus, des bombardiers, les TM4 avec les moteurs électriques, notre véhicule dont on parlait tout à l'heure, le véhicule de Nomad, mais on va créer une infrastructure d'électrification des transports qui va avoir un impact économique et industriel d'ici 2020 et un impact sur les gaz à effet de serre d'ici 2030 réel. Merci beaucoup. Monsieur Hurtel ou Monsieur Tirel? Monsieur Tirel, vous. OK. Monsieur Breton, vous dites aux citoyens que les voitures électriques, les motos électriques, les bateaux électriques et tout ça, c'est la solution, d'après vous. C'est la solution que votre gouvernement met d'avant, mais vous ne tenez pas compte des conséquences environnementales des voitures électriques et des batteries. Et en plus, le Québec, c'est une des pires endroits pour avoir des voitures électriques. Nos distances sont très loin. Et les voitures électriques, c'est des solutions qui sont faites pour fonctionner dans les routes congestionnées, dans les climats chauds. Parce que avec une voiture électrique, il faut que tu chauffes ta cabine, il faut que tu utilises ton voiture électrique, je vous confirme que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Qu'on ne peut pas s'en servir dans les climats froids. On peut s'en servir, mais ce n'est pas une bonne solution parce que c'est moins efficace. Donc, votre gouvernement ça doit faire croire aux citoyens qui peuvent garder leur voiture privée et ils vont être écologiques en même temps. Tandis que c'est complètement faux. Il faut réduire le nombre de voitures privées sur la route. Et la seule façon de faire ça, c'est d'aller de l'avant avec les transports en commun. En plus, vous parlez d'électrifier les transports en commun, mais vous avez augmenté les tarifs d'électricité sur des sociétés de transport. En fait, ils ont augmenté les tarifs, et moi, je travaille pour les rebaisser. Mais vous travaillez, vous êtes le gouvernement, vous êtes capable, pourquoi pas le faire? Écoute, ça ne se fait pas tout en criant ciseaux, là. C'est du travail qui demande beaucoup d'efforts. Dealer avec Hydro-Québec, là, c'est pas dealer avec le département du Québec. Le président, il vient à votre conseil de ministre. Le président d'Hydro-Québec, Carl Palado. Bon, ça, c'est le président du CA, c'est pas le président d'Hydro-Québec. Non, mais c'est ça, non, mais c'est facile de s'en laver les mains. Je m'en lave pas les mains à main. Je ne fais que ça, me mettre les mains dedans pour m'assurer qu'on ait un avenir vert. Monsieur Hurtel, Alors, encore une fois, revenir sur la STM, entièrement d'accord.
Le fait est que il faut revenir au tarif faible pour la STM. On doit parler de la STM, mais on doit mettre ça de l'avant, tout comme on doit travailler aussi à développer les réseaux dans les autres grandes agglomérations, les autres transports collectifs. Pour la STM, c'est fondamental. Le 958 millions qui a été annoncé dans la stratégie de mobilité durable va au maintien, non pas au développement. Et a été pris aussi de l'enveloppe des infrastructures routières. Fait que là, ça fait qu'un système d'infrastructures routières qui est déjà mal en point perd presque un milliard de dollars. Mais le fait est que la STM, prenez la ligne orange par exemple, est déjà à pleine capacité. On ne pourrait même pas rajouter plus. Ça, c'est la STM qui le dit là. Alors là, ce qu'il faut, c'est développer le réseau davantage. Il faut plus de voies réservées. Vous me parlez de plans. Le Parti libéral, en 2011, a soumis un plan de développement sur les transports collectifs, puis sur l'électrification des transports. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Et le fait est que ce qu'on essaie de faire et ce que le Parti libéral propose, c'est de développer davantage de voies réservées, d'investir davantage dans les transports collectifs, mais en même temps, oui, revenir à un tarif faible pour la STM et faire en sorte que, justement, l'usager ne soit pas le seul à écoper pour un service qui est hyper performant. Mais là, il faut le développer davantage. C'est ça qui est fondamental. On a avec le marché du carbone et la vente de droits d'émission dans les enchères qui sont prévues. En fait, aujourd'hui, il y avait la deuxième enchère du gouvernement. De l'argent qui va être généré, il y a environ 3 milliards de dollars qui va être généré avec la vente de droits d'émission dans le marché du carbone au Québec. Le gouvernement du Parti québécois a été muet sur où irait cet argent. Le parti du gouvernement libéral au précédent était aussi muet sur comment allait être dépensé cet argent. J'aimerais vous entendre peut-être les quatre sur comment est-ce que vous dépenseriez ces 3 milliards de dollars qui vont arriver d'ici 2020 à travers la vente de droits d'émission sur le marché établi. Je voudrais vous poser une question, M. Pinault. Y a-t-il un pays, par exemple en Europe, qui a eu vraiment un grand succès avec le marché du carbone? Est-ce que ça a été efficace quelque part? Parce que j'entends moi de plus en plus de commentateurs, d'experts qui disent oui, ça semblait sur papier quelque chose de prometteur, mais en pratique ça ne marche pas. Mais en fait, ce marché. Tu es un exemple d'un pays qui a réussi son marché. Mais en fait, une des raisons pour lesquelles je suis fier d'être québécois, c'est qu'on a l'ambition au Québec d'avoir mis ce marché sur pied, qui est un véritable outil qui nous amènerait à faire des changements concrets. Et là, je m'étonne, M. Gagnier, que vous vous questionnez. Non, on n'est pas contre, mais c'est une vision un peu mercantile. C'est un outil qui repousse nos responsabilités plus loin. On pète dans la cour des autres. Nous, on dit, comme peuple, comme nation, on a une responsabilité pour les générations futures ici au Québec. Question de justice écologique avec le reste de la planète. Il ne s'agit pas de voir à qui on peut refiler la facture de nos coûts, de qui on peut acheter, etc. Il s'agit collectivement, partout, prendre des mesures énergétiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je comprends de votre réponse que vous metteriez le marché du carbone... Ce que je dis, c'est qu'on n'attendrait pas que ça donne un résultat. Il y a d'autres choses à faire de plus responsables. Des actions positives, des actions concrètes. Parce que le marché du carbone, c'est un peu refiler à d'autres la facture, de laisser traîner les choses encore. Comprenez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, il y a bien d'autres mesures à mettre en place que de se berner de l'illusion que ce marché du carbone va régler nos problèmes. Merci. Monsieur Breton? En fait, je suis étonné par les propos d'Amir, mais la réalité, c'est que je comprends ce qu'il veut dire, sauf que le marché du carbone, pour revenir à l'expression tout à l'heure, c'est pas le silver bullet. Il ne faut pas attendre après le marché du carbone pour mettre en place des mesures. Mais le marché du carbone est un outil parmi d'autres pour faire en sorte de verdir notre économie. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que, où on mettrait l'argent? Écoutez, c'est pas moi ce soir qui va décider de ça. Une chose est sûre, c'est que je travaille avec les gens qui travaillent, qui réfléchissent sur l'avenir de l'électrification des transports, l'avenir du transport collectif, l'avenir de l'énergie. Et c'est certain que si c'était moi qui décidais, mais ça va se faire de façon collective, ben on irait évidemment vers plus de transports collectifs, plus de transports collectifs électrifiés, et aussi de faire en sorte que tout ce qui nous reste, il n'en reste pas tant que ça, mais tout ce qui nous reste encore d'industrie du mazout, on peut se transférer vers des énergies plus vertes. Fait que je pense que, puis évidemment, le nouveau code du bâtiment, qui n'a tardé que trop,
pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'institutions, beaucoup d'industries qui sont encore avec. Tu sais, il y a plein d'écoles à travers le Québec qui se chauffent encore au mazout, qui sont très mal isolées. Ça aussi, ça doit faire partie de l'équation. Merci beaucoup. Monsieur Hortel, vous se tirez la parole. Bien, le marché du carbone, il faut le dire, encore une fois, parti libéral qui l'a mis en place. Là. Alors, des fois, nous aussi, on fait des bonnes choses, une fois de temps en temps. Hein? Mais l'idée, c'est que, ce qu'il faut dire, c'est que, encore une fois, avant de dépenser ce 3 milliards-là, on va, encore une fois, pour mettre toutes ces bonnes choses-là de l'avant, tous ces beaux projets-là de l'avant, il faut des sous avant 2020. Et l'affaire, c'est que il va falloir générer des revenus maintenant. Il faut, encore une fois, savoir d'où vont venir ces centaines de millions de dollars. Que, je te trouve ambitieux. Oui, bien, je suis très ambitieux. comme notre modérateur, je ne crois pas que l'ambition, c'est un défaut. Bien au contraire, il faut être audacieux également. Oui. Le fait est que pour payer ces investissements-là, il faut une économie qui performe maintenant. Et ça aussi, ça veut dire, le fait est qu'on ne peut pas faire, et comme dit M. Kadir, il faut être mesuré et planifié. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir une transition, puis oui, il va falloir continuer à travailler dans l'économie dans laquelle on est, la faire évoluer, mais le fait est que faut investir maintenant dans nos transports collectifs et encore dans nos transports routiers. Parce que là, on veut laisser tout de suite le transport, mais en même temps, faut quand même faire quelque chose avec Turcot, faut quand même faire quelque chose de métropolitain, faut investir dans nos infrastructures. Monsieur Tirel répond à la question. Pour nous, le marché du carbone, c'est une solution qui est sur du papier. Nous autres, si on va parler de solution du marché, on croit que le transport en commun devrait être gratuit et combiné avec une expansion majeure. En ce moment, les gens qui utilisent l'autobus payent les impôts à les mêmes taux que tout le restant de la population qui utilise des voitures. Donc, pour nous, ça serait favorable de réduire les prix du transport en commun. Ça a augmenté beaucoup dans les dernières années. C'est rendu à 80$ par mois à Montréal. Fait que pour nous, des solutions concrètes, ça serait un effort concret du gouvernement pour mettre des gens dans les autobus et dans les métros et non quelque chose sur des papiers arrangés avec la Californie. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à notre premier bloc de trois thèmes. On va laisser la parole au public pour lui donner l'occasion de poser des questions. Il est 19h51, on a 10 minutes où tout le monde est là, en fait, on a plus de temps, mais je crois, M. Breton, que vous avez une contrainte. Vous partez à 20h. Donc, deux panélistes vont quitter. Initialement, ça a été prévu jusqu'à 21h, donc s'il y en a qui veulent continuer à discuter, ils ne seront pas mis dehors de la salle. Mais on va essayer de prendre des questions de le...